localisé dans les deux provinces du Grand Katanga, à savoir le Haut-Katanga et le Lualaba, le Lwanzoland constitue depuis toujours le poumon de l'économie de la République démocratique du Congo, parce que regorgeant une grande partie des ressources minières de ce pays, principalement le cuivre et le cobalt. La moitié des réserves mondiales du cuivre et du cobalt est localisée dans le sud-est de la RDC, précisément sur l'espace Lwanzo. Ce qui explique la présence et l'implantation de plusieurs multinationales minières. Sa superficie estimée à 104 496 km² et d'une population autochtone évaluée à plus ou moins 2 624 400 habitants. Selon le statut de création de l'association socioculturelle Lwanzo-Lwamikuba de février 1989 et celui repris en 2019, les différentes ethnies qui composent l'espace sangafone sont essentiellement réunies dans 6 communautés, à savoir le peuple Sanga, aussi appelé les Benanzovu, qui est un peuple migrant bantou, installé au centre de l'Afrique entre les 4e et 6e siècles. Au fil du temps, ce peuple a subi des influences linguistiques et culturelles de la part de l'Empire Luba, du 13e au 17e siècle, l'influence politique très remarquable sur un grand espace du sud-est de la République démocratique du Congo. Nous notons aussi une influence politique administrative de la part de l'Empire Lunda vers les 18e et le 19e siècle, bien avant l'arrivée et l'apogée du royaume de Garenganze du roi Msiri. Ce peuple Sanga est situé dans les territoires de Kambove, Muchacha, Lubudi et Kasenga. Il est beaucoup plus concentré dans la chefferie de Mpande où réside la cour royale de la dynastie. Le nom Onde provient d'une rivière dans le groupement Mushima qui porte le même nom. Les Onde ou les Bakaonde seraient également descendants des migrants bantous venus du nord. Installés dans le Grand Katanga, ils auraient subi deux grandes influences, celle Luba durant 4 siècles, entre 13e et 17e siècle, et celle Lunda entre 17e et 19e siècle. Mushima ou Mubambe est considéré comme l'épicentre de la dynastie Kaonde. Les Kaonde qui sont localisés dans les territoires de Muchacha, Kambove et une bonne partie qui avait immigré suite à des guerres communautaires récurrentes, la traite des esclaves et des invasions étrangères vers la Rhodésie du Sud, actuelle Zambie, occupant ainsi le district de Solwezi. Ce peuple est si proche des Sanga de par leur langue et coutumes, car ayant cohabité durant des siècles sur un même espace. Il existe aussi le peuple Bazela. Étymologiquement, le mot Bazela provient de l'infinitif Kuzela, qui signifie vagabonder. Et ce sont les Bakunda, vers les années 1500, qui ont surnommé ce peuple pygmoïde du nom de Bazela. Ainsi, ils ont occupé un vaste espace des actuels territoires de Mpweto, Kasenga et Mitwaba, appelé le Buzela, qui signifie brousse. Proche des Bazela, les Balomotwa, quant à eux, ont pour véritable fondateur le Mununu, le tout premier Mufunga de l'histoire de ce peuple qui vit à cheval entre les territoires de Mitwaba, Kasenga et Mpweto. Les Yeki ou les Bayeke sont descendants directs de la tribu de Nyamwezi du clan des Basumboa de la région de Tanganyika dans l'actuelle République de Tanzanie. Entre les années 1848 et 1885, ils arrivent dans la province du Katanga à la recherche du cuivre et de l'ivoire, sous la conduite de Kalasa Mazwiri, père du célèbre Ngelengwa Msiri, né en 1830 et assassiné en 1891. Il s'est installé dans le royaume de Garenganze vers les années 1850, jusqu'à sa mort à l'issue de la troisième expédition qu'avait dirigé son père Kalasa Mazwiri en 1847, qui était le premier à faire le voyage dans la région du cuivre, ayant conclu des alliances avec les chefs Katanga, Sompwe et Mpande. Aujourd'hui, les descendants de Msiri règnent sur la chefferie des Bayeke dans le territoire de Lubudi. Les Banweshi ou les Nweshi sont composés des peuples autochtones du groupement de Kalera, ainsi que des migrants venus des Luba et des Lunda. Ils occupent la collectivité secteur des Banweshi dans le territoire de Mitwaba. Leur langue est le Kinweshi, proche du Kisanga et de Kiluba.
À travers le Lwanzoland, on trouve également les Bakacha, les Bankene, les Bakunda, les Bapundwe, les Bayobia, les Baushi, les Balembwe. Tous ces peuples sont éparpillés dans 5 territoires, dont 3 dans le Haut-Katanga et 2 dans le Lualaba. Le territoire de Kambove, région de Kilela-Balanda, Kabungu, le bassin de la Lufira, Mulungwishi et le site de Shinkolobwe. Le territoire de Lubudi avec le plateau de Biano, la vallée de Kansenya, le bassin du Lualaba, les régions de Tenke et Fungurume. Le territoire de Mitwaba, y compris la région de Dikuluwe, Mufunga Sampwe et de Kyubo. Le territoire de Kasenga avec le plateau de Kundelungu, Tondo et les environs de Lukafu. Le territoire de Muchacha dans les régions de Walemba et de Kamoa. Les villes de Likasi dans le Haut-Katanga et Kolwezi dans le Lualaba constituent les deux grandes agglomérations où se trouvent concentrées des fortes densités des peuples Lwanzolwa-Mikuba. Les Bakaonde, qui sont aussi une ethnie Lwanzo, se trouvent à cheval entre la République démocratique du Congo et la Zambie voisine, essentiellement dans la région de Solwezi, et partagent la frontière le long du groupement Mushima dans la province du Lualaba jusqu'à Kilela-Balanda dans le Haut-Katanga. En dépit de leur diversité géopolitique et culturelle, toutes ces différentes ethnies partagent en commun une seule et unique langue vernaculaire, le Kisanga. À côté de cela, ces communautés ont des points communs ci-dessous. Un fond lexical commun, un même fondement de la société, une même compréhension de la famille dans sa structure sociétale, dominée par le système matrilinéaire à 70%, excepté dans certains clans, où se vit un patriarcat pur et un système mixte. L'arbre palabre reste le seul moyen de résoudre les différends entre ces communautés, d'où les concepts sangaphonie ou les disanga, faisant allusion à tous ces peuples qui font usage de cette langue sur cet espace appelé conventionnellement Lwanzoland. C'est ici où, avant la découverte du métal par l'homme blanc en Afrique, bien avant l'arrivée des explorateurs, longtemps avant l'époque coloniale, l'on savait déjà façonner le cuivre dans un fourneau artisanal. Les us et coutumes de ces différentes communautés présentent plusieurs similarités dans leur vécu quotidien. L'hydrographie du Lwanzoland offre à plusieurs endroits un spectacle merveilleux, un véritable château d'eau alimenté par plusieurs sources, des chutes qui culminent à plusieurs hauteurs selon les régions, dont les célèbres chutes de Lofoy en plein parc national de Kundelungu, première en Afrique avec ses 384 mètres de haut. Ces chutes se chiffrent par dizaines, dont Kyubo, Nzilo, Kawa, Kayo dans le parc national de Lupemba, Kamwanga, Mulamba et Koni, les chutes de Dikolongo, pour ne citer que celles-là. Le majestueux fleuve Congo tire sa source dans l'espace Lwanzolwa-Mikuba, précisément à localité de Walemba. Ici, dans le territoire de Muchacha, en périphérie de la ville de Kolwezi, existe encore un clan qui conserve et pérennise la pratique de la fabrication de la croisette en cuivre dans un fourneau artisanal, selon une vieille tradition et un vieux rite datant aux environs du 6e siècle. Toya kujami tumba.
Cette vieille pratique était répandue sur l'ensemble de l'espace Luanzo, mais dans cette zone de Walemba, l'inspiration aurait découlé de Kangelele Lumbwe, considéré comme premier fondeur de Walemba, mort en 1970. Et c'est à partir de nos ancêtres que À l'époque, le produit fini de cette croisette servait aussi de monnaie d'échange, le troc, avec des commerçants d'abord à travers le Luanzoland et bien loin au-delà des frontières. Cette croisette symbolise jusqu'à nos jours l'unité et l'hospitalité légendaire du dit Sanga. La croisette qui symbolise le Luanzoland. Nous sommes un seul peuple, à part les orientaux, qui avons 5 points cardinaux. Nous avons le Kabetakako Musela, qui est l'Est, Kabetakako Mujika, qui est l'Ouest, Kabetakako Buyeke, qui est le Nord, Kabetakako Kubulenje, qui est le Sud, et Gisanga, Pesanga, Pamansanga, qui est le Centre. Donc les gens viendront du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, ils viendront au centre, manger avec nous le cuivre et ils pourront rentrer chez eux. Nous sommes le seul peuple hospitalier et le seul peuple libéral. C'était des industriels, ils produisaient le cuivre et ils devaient le vendre. Pouvaient-ils chasser les gens qui venaient acheter ? Non, autrement, ils n'allaient pas écouler leurs marchandises. Voilà pourquoi, dans tout cet espace, d'ailleurs, c'est valable pour tout l'espace Sanga. Les Sanga ne sont pas exclusionnistes. Ils accueillent tout le monde. Parce que nous parlons des 10 Sanga, c'est-à-dire Kusanga Kanya, se mettre ensemble. Tous les autochtones du Luanzoland s'identifient au sein d'une grande association socioculturelle de la RDC, dénommée Luanzolamikuba. Certains initiateurs de cette association sont encore de ce monde. Avant l'indépendance, il y a eu le grand besoin que les Basanga vivent ensemble. C'était une situation politique. C'est ainsi que les Basanga étaient regroupés autour de ce qu'on appelle ABAKAT, Association des Basanga du Katanga. Ça nous regroupait déjà. Et là, comme ténor, nous trouvons Kasongo Michel. Nous trouvons le commissaire ou l'inspecteur commissaire Niketo Pierre. Et nous avons trouvé beaucoup d'autres visages de proue qui ont essayé de regrouper sous un cadre politique les Basanga. Après l'indépendance, on n'a presque pas parlé de cette association. Mais vers les années 78, nous étudiants Kassapa, essentiellement les Kassi, bien sûr, les Sangafones,
Nous nous étions décidés de nous réunir pour créer une association au niveau des étudiants, bien sûr. Après cela, il y a maintenant les différentes sortes d'associations socioculturelles qui sont précurseurs de ce que nous appelons aujourd'hui l'Oanzo Loamikuba. On a parlé par exemple de Nkabulula. Ça vient du verbe Kukabulula et qui prend aussi ses racines dans Kukaba, c'est-à-dire être pauvre, être malheureux. Et puis, on a insisté sur l'aide mutuelle, une certaine mutualité, et là on a dit Bukwashi. C'était pour les étudiants sangafois. On l'appelait Bukwashi. Bukwashi qui signifie entraide. C'était pour nous entraider, pour nous connaître. C'est-à-dire que notre association serait fondée sur la mendicité. On est là pour être aidé, on est là. Et puis il y a eu encore un autre tâtonnement qui s'est fondé sur l'Ulundeno, c'est-à-dire être lié. Est-ce que nous étions séparés? Est-ce qu'on était disloqués pour qu'on puisse se ressouder? Les sages ont pensé qu'il fallait réunifier, avoir une seule famille, une seule dénomination. Ils ont organisé ces rassemblements à l'Ikasi à l'époque. Et c'est ainsi que, de cette organisation, tous les sages du Luanzo Loamikuba, ou du Busanga, pas du Luanzo Loamikuba à l'époque, du Busanga, se sont mis d'accord et ils ont décidé de créer une seule association qui devait porter le nom de Luanzo Loamikuba. Et ce nom, il y a un sage qu'il a trouvé à l'Ikasi, quand nous nous sommes retrouvés à l'Ikasi, au centre de quoi? De formation de la SNCC à l'Ikasi. C'est là que nous nous sommes retrouvés. Et là, le vieux Chapi Dominique, qui était chargé de la culture, a expliqué, a dit, mais vous savez pourquoi nous sommes combattus? Nous sommes combattus parce que nous sommes le seul peuple qui avons maîtrisé la métallurgie du cuivre. C'est ça, le combat. Madame Ntumba Mabenze Bernadette est la veuve du premier président de Luanzo Loamikuba, Jean-Marie Makonga Mabenze. Un homme exceptionnel pour sa communauté. Il est né le 18 août 1947 à Mitoaba et décédé en 2001 en Afrique du Sud. Sa veuve a encore frais dans sa mémoire les premiers pas de l'association. Quand le mouvement avait commencé avec Bukwashi, j'étais là, c'était un petit mouvement des gens on se réunissait avec des étudiants à Kolwezi. Quand on était à Kolwezi et à Lubumbashi, il y avait Kiba avec Lulundenu. Ils ont commencé comme ça à Lubumbashi. Et puis, ce que moi, il m'avait dit, que ça ne sert à rien que les Basanga soient éparpillés. À partir de l'Ikasi, qu'il a été nommé comme président du Luanzo. En République démocratique du Congo, de nos jours, le Luanzo Loamikuba se fait sentir. Cette association socioculturelle est devenue un véritable groupe de pression, un asile de tous les sangafones, surtout les pauvres, habitant les milieux ruraux, et ceux des milieux urbains, autour des objectifs fondamentaux bien précis et bien actés dans un statut. 5 piliers intemporaires au total. 1. La défense de l'identité culturelle de l'ethnie sangafone. 2. La défense de l'unité de l'ethnie sangafone. 3. La défense du terroir ou de l'espace culturel de l'ethnie sangafone. 4. La prise en charge de la communauté ou de l'ethnie sangafone par son élite. Si à son tour, cette élite veut que sa communauté la prenne en charge. Et 5, le développement socio-économique de l'ethnie sangafone. Voilà les 5 piliers. Quel est l'objectif du Luanzo? C'est de faire en sorte que
le sangaphone qui est à côté de toi vive mieux. C'est ça l'objectif. En finalité, vous pouvez lire tous les textes, ça se résume à ça. Cependant, d'aucuns se demandent si tous ces objectifs ont déjà été atteints à ces jours. Les points de vue des uns et des autres restent complexes et divergents. L'objectif n'est pas à 100% atteint, mais nous avons l'essentiel. L'unité qui nous manquait pendant les années antérieures, nous l'avons recouvrée. Et aujourd'hui, on reconnaît les espaces Sangha et nous sommes prêts à les défendre. Les objectifs ne peuvent pas s'arrêter à l'unité. Aujourd'hui, je dirais que Luanzo, c'est comme un enfant qui marche à peine. Parce que je me dis, est-ce que le Luanzo existe dans les instances supérieures des décisions? Est-ce que le Luanzo est présent un peu partout? Est-ce que dans le Luanzo, nous avons une classe moyenne? Il y a tout ça. C'est un grand débat et c'est un grand défi. L'identification pose encore des problèmes. Je crois qu'on n'a pas travaillé suffisamment là-dessus. Et la réunification de toutes ces ethnies-là, les rassembler, est-ce que vraiment on a réussi à mettre tout le monde ensemble? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a encore à travailler. Nous devons promouvoir l'unité. Promouvoir l'unité en prenant l'élite, Luanzo et les maîtres de l'avant. Nous devons nous rassurer que quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un au sein de la communauté, qu'il ait l'esprit du développement communautaire, qu'il ait un projet pour la promotion de la culture, de la langue. De cette manière, ça va évoluer correctement. Basanga, Bafouaka Congo, Bafouakisaka, Nabankanga, Namba, Bambwa Bakwike. Alors là, j'ai traduit. Basanga qui meurt ensemble. Ils meurent comme les pintades en famille, comme les chiens qu'on a liés. Alors, vous voyez que tout ça tourne autour de l'unité, autour d'une communauté. Ikumena kwa nsu ki pala pala, kwa le tamajina ma kolégé, et imagina pala pala. Si jamais vous vous dites que nous sommes tous les Nsuki, nous sommes tous les Basanga, mais vous devez regarder vers l'avenir des Basanga. Nous sommes un peuple Luanzo uni. Il n'y a pas le Luanzo de Lubudi, il n'y a pas le Luanzo de Mitwaba, de Kambov, de Muchacha, de Kasenga. Nous sommes qu'un peuple Luanzo sur sa terre de ses ancêtres que nous sommes en train de vivre. L'objectif primordial de toute association socioculturelle, c'est la promotion des valeurs culturelles, la solidarité et l'entraide mutuelle. Mais au fil des années, les politiques s'y sont mêlées et ont parfois pris le dessus. Pour beaucoup de notables Luanzo, cette politisation des associations socioculturelles est malvenue, car constituant un frein à l'émergence de la communauté. Ce sont des prédateurs qui prennent une association socioculturelle pour un tremplin. Alors ils ont des visions politiques qu'ils veulent atteindre. Mais alors, l'escalier, le tremplin, c'est quoi? On vient sous forme d'être membre ou d'être très vibrant au sein de cette association, alors qu'on a des visées politiques. Et les gens qui viennent pêcher ou bien chasser du gibier dans une association socioculturelle n'ont pas de place. Ou bien imposer, recruter les membres dans son parti politique. Non, ce n'est pas bien. Il faut décourager ça. Il faut absolument dissocier la culture de la politique. Parce que lorsque vous mettez de la politique dans l'association socioculturelle comme la nôtre, donc il y a risque de division. Qu'il faut éviter de politiser l'association. Parce que l'association, c'est la famille. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Alors, ce qui nous unit dans l'association est plus grand que les ambitions individuelles et individuelles des fils du Luanzo. Ce sont nos frères qui sont en face de nous, nos politiciens.
cessons de les utiliser pour nos intérêts personnels. Pour qu'il se crée cet amour et cette unité, on doit mettre d'abord de côté nos appartenances politiques. Nous nous retrouvons dans une communauté, chacun avec son éducation, chacun avec son appartenance politique. Mais lorsque nous nous retrouvons tous ensemble, c'est avoir une seule vision. Quels sont les objectifs que la communauté doit atteindre? Que nous soyons focalisés à ces objectifs. Je crois que si nous essayons de désolidariser de tout cet aspect, nous allons créer cette unité pour le bon développement de notre communauté. Et si vous voulez politiser l'association, et c'est vite la voie du déclin. Je me rappelle à l'époque de Makonga. Makonga n'était pas politicien. Makonga réunissait tous les deux camps possibles à cette époque. Il y avait les histoires des impères, UDPS. Makonga les réunissait tous. Moi, je propose que désormais, dans les associations socioculturelles, surtout dans le Loiseau, par exemple, pour essayer d'unifier le plus nos frères, c'est de mettre à la tête les gens qui n'ont pas la casquette politique. Du point de vue de plusieurs autres notables Loiseau, les fils et filles de cette communauté doivent adhérer massivement dans différentes formations politiques afin de participer activement dans les cercles décisionnels en vue de privilégier le développement de leur propre contrée. Le Loiseau a été dirigé par un homme politique que j'étais, député national, élu en 2006 à Colouésie. Après mon élection comme président de Loiseau en 2005. Et j'ai voulu que mon mandat législatif puisse avoir de l'impact positif sur la communauté. En fait, puisse apporter à la communauté Sanga des retombées. Parce que si vous voyez toutes les communautés qui avaient déjà émergé, je parle ici des Baloubakat. Je parle aussi des Sempia. Je parle aussi des Runt. Ils avaient des personnalités politiques qui parlaient déjà dans la sphère politique de leur communauté, de leur base. À tel point que dans la sphère politique, quand on faisait des gouvernements, on devait tenir compte aussi de leur communauté. Nous ne pouvons pas laisser la politique aux autres et ne pas faire la politique. Mais nous voulons que cette politique-là ne vienne pas diviser les enfants dans une seule maison. Nous pouvons avoir la diversité dans l'unité. Nous pouvons avoir plusieurs partis politiques, les membres de l'association dans plusieurs partis politiques. Mais quand nous nous réunissons, nous parlons coutume, nous parlons développement chez nous, nous parlons notre langue, nous discutons, nous parlons de l'avenir du pays, de l'avenir de la province. La politique s'occupe de tout. Lorsque vous créez même une équipe de foot, vous verrez qu'après, il y a la politique qui s'en mêlera, puisqu'il y en a qui peuvent toujours tirer profit de ça. C'est la raison pour laquelle vous verrez même pour nos associations, les associations socioculturelles sœurs sont aussi influencées par la politique. On ne peut pas rester comme ça, sans parti politique. Donc nous sommes obligés d'aller dans les partis politiques. Mais nous tous, nous formons ce que nous appelons les Loiseau Bikuba. Le pouvoir d'État se partage entre les partis politiques. Les associations ne sont pas à la table. Donc, ce qui serait mieux, c'est de voir nos fils adhérer dans les partis politiques et occuper aussi des postes de décision. Dire qu'elle est apolitique. C'est, on se trompe soi-même parce que tout est politique. Ici, nous sommes dans une association socio-culturelle. On ne peut pas dire que le politique est totalement en dehors. Non, les animateurs de cette association socio-culturelle sont des hommes à tendance politique. Dire que c'est nous les politiques qui tuons le Loiseau, c'est faux. Si le Loiseau ne veut pas comprendre qu'il faut marcher avec la politique,
le Loanzo va mourir. C'est-à-dire que tous les fils et les filles de Loanzo Lwamikuba doivent s'intéresser à la politique et tous ne sont pas obligés d'entrer dans la politique. Le débat doit être plus élargi que le débat de la politique parce que le monde ne se construit pas uniquement avec les politiques. Et tant que nous allons avoir le regard uniquement braqué sur les politiques, nous allons laisser passer des autres femmes qui brillent dans leur milieu, qui ne sont peut-être pas politiques, qui sont Basanga et qui se sentiront marginalisées parce que tout simplement elles n'ont pas la conviction d'être dans la politique. Les associations socioculturelles, ce sont des phénomènes des villes qui ont été, qui se justifient par ces conquêtes de pouvoir, qui se justifient par la justice distributive qui est mal faite. C'est pour ça que vous allez comprendre les gens qui disent Kudia Talala, Kwabana, Biya. Donc quand vous sortez déjà ce propos-là, vous sentez qu'il y a de l'injustice. Et Loanzo, au lieu d'être une association, la Loanzo Lwamikuba, Loanzo devient maintenant cette fois-là le Loanzo Lwamikuba qui est un groupe de pression. Dans le Loanzo, nous devons voir 3 ou 4 leaders qui ont leur parti politique. Et quand il y a les élections, comme dans la ville de Likasi, je ne vois pas comment est-ce que le Loanzo qui a ses partis politiques peut manquer à faire sortir les députés. Ce qu'il faudrait, c'est que les associations socioculturelles privilégient la totalité de la culture au lieu de se servir de ce nom de socioculturel pour servir une seule exigence qui pourrait être une exigence saisonnière, passagère, égoïste ou tendancieuse. La femme de l'espace Loanzo est réputée inactive en politique, à l'instar de la femme congolaise en général. Ce qui fait que plusieurs droits des femmes sont foulés aux pieds et qu'il faille un réveil féminin dans l'espace sangaphone. Parmi les rares qui existent encore dans la sphère politique congolaise, l'élite féminine Loanzo peut se frotter les mains, même si beaucoup reste encore à faire. Et donc, on ne va pas dire que cela concerne que la femme sanga. Si je dois parler de l'espace sangaphone par rapport à la femme, il y a des femmes qui sont engagées en politique. Mais nous devons dire que nous vivons dans un espace où nous n'avons pas de moyens. La femme n'est pas en politique aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle est marginalisée, ça c'est un. Elle n'a pas de moyens pour battre, par exemple, la campagne. Nous méritons notre place aussi, parce que c'est nous la base. La femme, c'est elle qui commence l'éducation. C'est très important que les femmes soient considérées dans la famille Loanzo. S'intéresser à la politique, ça ne dit pas nécessairement que toutes les femmes deviendront des députées ou toutes les femmes deviendront des ministres ou quoi. Non, non. Au fait, s'intéresser, c'est avoir un regard très attentif, mais par rapport à ceux-là qui sont en train de gérer le pays. Pourquoi on ne considère pas la femme dans notre association socioculturelle? Il y a des femmes intellectuelles, il y a des femmes capables qui peuvent faire tout. Aussitôt installée à la tête de cette grande association socioculturelle qu'est le Loanzo Lwamikuba, chaque président s'est toujours fixé des objectifs et des défis à relever. Parmi les défis, c'est d'abord la solidarité, réunifier tout le peuple Loanzo Lwamikuba autour d'un idéal commun. Que nous tous nous ayons une même vision, un même idéal de vie et que cela soit intériorisé par chacun des membres de Loanzo Lwamikuba. Et ainsi, en regardant dans la même direction, nous allons réaliser beaucoup de choses. Le Loanzo Lwamikuba doit sa reconnaissance aussi à Ildefonso Mitunga Kyola, né le 1er février 1940 à Mufunga Sampwe et décédé le 30 août 2015 à Lubumbashi. Cette personnalité a consacré toute sa vie à l'émergence de cette association socioculturelle. Ildefonso Mitunga était plusieurs fois mandataire des entreprises publiques. Tour à tour, il a aussi été à la CISARAI, l'ONPTZ, à la RVA et même directeur des cabinets dans plusieurs ministères. Pour sa communauté, il était l'unificateur et l'homme-providence. Toute
grandes notabilités connaissent l'adresse de Maniema 35. Parce que c'est là où se passaient toutes les grandes réunions du Luanzo. C'était un siège. Parce qu'à l'époque, le Luanzo n'avait pas de siège. Dans mes souvenirs, je dirais que chez moi, je ne pense pas avoir passé un jour, un seul jour, à manger en famille, seul, avec papa et les enfants. Non. On a toujours eu des membres du Luanzo chez nous. On a toujours eu des grands repas communautaires. Mitonga, c'était le socle de la communauté Luanzo-Lomikuba. C'est comme ça que je peux le définir. C'était la fondation. Kasandi welelo, kasandi welelo, mayo mutemi walu. Capitale de la République démocratique du Congo, une des grandes mégalopoles africaines, la ville-province de Kinshasa est un puzzle culturel. Une importante communauté sangafone y est installée depuis plusieurs années. Les originaires du Luanzoland ont pour repère culturel l'association socioculturelle Luanzo-Lomikuba. Quand on est à la tête du Luanzo, on se décourage facilement. Parce que les membres ne comprennent pas, de temps en temps, qu'on puisse leur dire « Aujourd'hui, on n'a pas de moyens. » Tout de suite, ils se rébiffent et ils pensent que vous êtes sélectif dans les choix de des personnes à aider. Non. Mais quand vous ne travaillez pas, ça doit venir des cotisations. Or, les cotisations, se faisant rares, c'est assez difficile. Je reconnais qu'il y a certains cadres dans le domaine de la justice qui sont toujours avec nous pour mobiliser des efforts à toutes les circonstances. Mais comme ce sont les mêmes, quelque part, quand on est un peu mololoqué, on se dit qu'il ne faut pas chaque jour aller frapper aux portes des mêmes personnes. Vous devenez parfois gênant. Le Luanzo-Lomikuba aujourd'hui, c'est une marque déposée. C'est un nom que nous devons porter haut. Et chaque membre de la communauté, avec tout ce qu'il a comme compétence, doit s'y mettre, s'investir, afin que ce label que nous avons aujourd'hui ne soit pas perdu. C'est un label qui représente l'espoir des populations que nous avons partout. Je suis arrivé ici il y a quelques années. J'ai trouvé une communauté qui était avant moi, bien sûr, qui est intégrée à Kinshasa, avec ce qu'il y a à Kinshasa. Mais cette communauté n'a pas perdu l'essentiel de ce qu'elle est. J'ai eu à participer à 3 ou 4 réunions de la communauté qui m'a rappelé mon identité, ce que je suis. Bien sûr, je suis congolais, mais je suis aussi du Luanzo. Personne ne peut renier son identité. Et donc, je vis ça avec beaucoup de passion. C'est quelque chose que je ne voudrais pas perdre. Je demanderai aux gens de se dépasser, d'éviter le moi et de mettre en avant-plan l'aspect communautaire. Aujourd'hui, je remarque une tendance au niveau de la communauté, une tendance que nous devons sincèrement éviter. Cette division de Basanga Bakouloubudi, Basanga Bakoukambov, Basanga Bakouku, Bamou Katanga, ça fait mal de voir toutes ces années où on s'est battu pour créer cette cohésion. De voir qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris que le monde, c'est un village planétaire qui se construit autour des grands ensembles. La sauvegarde de l'identité culturelle, surtout lors des grandes cérémonies, sont les moments privilégiés de rencontres entre différents membres de la communauté. La sauvegarde des valeurs dépend d'abord de nous. Moi, j'ai été écœuré lorsque j'ai fait à 2 ou 3 reprises mes voyages dans le territoire de Lubudi en particulier, de voir qu'il y a des villages qui ont disparu,
Ces villages ont disparu. Pourquoi ? Simplement parce que le bon vivre n'y existait quasiment. Les gens se sont déplacés vers les grands centres, les grandes cités, mais sont allés soit vers Fungurume, soit vers Tenke. Mais en même temps, bon, il faut avoir une carapace solide pour ne pas se laisser aller dans toutes les valeurs autres que les nôtres, qui ne sont pas en soi des valeurs positives, qui viennent d'ailleurs. Parce que des gens viennent, les Chinois viennent, en dehors des Chinois, des Occidentaux et autres, il y a aussi des populations d'autres coins du pays qui viennent. Et quand ils viennent, vous ne pouvez pas les chasser. Il faut composer, mais vous composez en sachant ce que vous êtes. Ne perdez pas votre identité. Donc ne pas perdre l'identité, c'est préserver nos coutumes. Nous inculquons aux enfants les valeurs. Et ma fille, je lui dis toujours, en tout cas, attention, je t'envoie à Louboudi l'année prochaine. Et elle parle un peu anglais, elle dit, mais Louboudi, c'est quoi, papa? Je lui explique Louboudi. Et donc, je crois que nous devons garder ce lien avec notre appartenance à chaque fois. C'est quelque chose que l'on doit vivre au quotidien, que nous devons transmettre à notre progéniture. Dans les manifestations courantes de la vie, nous devons absolument garder ce lien-là qui nous maintient avec nos ancêtres. Même loin du terroir, les membres actifs et inactifs au sein du Luanzo-Luamikuba s'accordent sur l'indéfectibilité de leur attachement à leurs origines. Moi, je suis heureux d'être né de mes parents, qui sont tous les deux Sangha. Je suis heureux d'être droit. Je suis heureux de travailler selon les valeurs qui m'ont été inculquées. Et je suis redevable à mes parents qui m'ont bien élevé, qui m'ont donné ce soubassement culturel. La culture que nous avons en nous, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose que nous portons chaque jour dans nos gènes. Et ça, c'est important de pouvoir revenir à ces valeurs culturelles à chaque fois. Au-delà de cet attachement affectif à leurs origines, le peuple Luanzo vivant à Kinshasa est conscient du devoir de s'investir tant soit peu sur leurs terres, chacun à sa manière et selon les besoins de la communauté. Pour moi, il faut qu'il y ait la renaissance d'une éducation forte, la renaissance d'un système sanitaire fort. Et autant que je pourrais, mon défi et mon projet, c'est celui-là, participer, même avec une petite brique, même si je n'ai pas tous les atouts en termes de moyens, avec une petite brique, mais aussi avec des idées pour renouveler. Si nous avons un peuple qui est sur le plan de la santé en bonne forme, qui a aussi une instruction et une bonne éducation, eh bien, nous pouvons espérer que dans les jours à venir, dans les années à venir, le Luanzoland ne manquera pas dans l'échiquier au niveau de deux provinces et dans l'échiquier national, ne manquera pas de participer aux décisions, aux grandes décisions de la nation. La première chose aux jeunes, c'est de se mettre en groupe. Premier élément. La force permet une meilleure gestion dans des initiatives. Deux, les gens pensent toujours qu'il faut des milliards pour faire quelque chose. Faites quelque chose de simple. Se mettre ensemble permet d'abord une meilleure gestion et de s'encourager mutuellement. C'est dans la deuxième étape. Si vous avez déjà quelque chose, même la banque peut accepter ou une coopérative de vous donner. Nous sommes tous membres d'un corps. Donc nous avons besoin les uns des autres. Ceux qui sont forts soutiennent ceux qui semblent être faibles. À une certaine période de l'histoire, le peuple Luanzo a connu à la tête de plusieurs institutions du pays des dignes fils qui ont fait la fierté et le prestige de cette communauté. Mais actuellement, l'élite et le leadership Luanzo fait quelque peu défaut. De politiciens Luanzo, de politiciens quand ils parlent, on se demande où les connaissent ni nani. Non, ni Luanzo Luamikuba, non, ni Msiri Debayeke. Non, ni Kibasa Maliba de Lukafu. Brillant homme politique et défenseur des valeurs culturelles du peuple Luanzo,
Frédéric Kibasa Maliba est né le 28 décembre 1939 et décédé le 5 avril 2003 à Bruxelles. En sa casquette de politicien, il a travaillé comme ministre à plusieurs reprises sous le régime du maréchal Mobutu et sous celui de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila. Il est aussi cofondateur de l'UDPS. Kibasa Maliba, qui sont des socialistes et des personnes qui incarnaient une certaine vision politique, vision de développement et non d'enrichissement illicite. La communauté Luanzo a aussi connu des grands noms tels Godefroy Munongo Chombeka Weshalo Mwendam Siri, né le 20 novembre 1925 à Bunkeya et décédé le 28 mai 1992 à Kinshasa. Il fut parmi les fondateurs de la CONACAT avec Moïse Kapenda Tshombe, gouverneur du Katanga en 1966, puis plusieurs fois ministre national sous le régime du maréchal Mobutu. Godefroy Munongo était un politicien hors pair et une matière grise pour sa communauté. Dans le domaine juridique, la communauté Luanzo a connu un grand homme du nom de Charles Mutakawa Dilomba, premier juriste noir du Congo belge. Cet homme a rédigé et lu la déclaration de l'indépendance du Katanga le 1er juillet 1960 à la radio Elisabethville, actuelle RTNC. Originaire de Mukabe Kasari, dans la chefferie de Bayeke, il est né le 9 septembre 1933 et fut premier président du Parlement katangais et sénateur congolais, professeur de droit et demeure jusqu'à ce jour l'un des pères des éminents politiciens katangais, dont Jean de Dieu Nguza Karlibond, Lukonde Kienge, Odilon Kafito Apaboa, pour ne citer que cela. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une banque de données? Allez, une banque de données de l'élite sangafone. Parce que ceux qui nous ont précédés avaient une vision claire de défendre les intérêts de cette communauté. Mais aujourd'hui, nous avons souvent les leaders qui ont une vision individualiste et personnelle. Tu fuiras tanda y no y tu carimungulutala.